Hello friends and welcome to this video. Friends, the North Atlantic Treaty Organization, known with the acronym NATO, is an organization that has been creating havoc worldwide. It's an organization that supports dictators, despots in Portugal. History is clear, it's there. You can understand and then go read and you'll understand some of those things. I know you're very brilliant. You have nice brains, your fine brains, so you understand those things. What is exactly the mission of NATO when it was created? Because at that time, you had also the Treaty of Warsaw. The Treaty of Warsaw was the grouping of countries under the Soviet Union. It said what? That if a country that is under the Soviet Union protection and all that is attacked, then the whole of the Warsaw countries will enter into war with those countries. So it was during the Cold War, there was this fracture, East-West. And then in the 90s, when the Berlin Wall crumbled, what happened? The Treaty of Warsaw was non-existent. And the Russians insisted that they should dissolve also the North Atlantic Treaty Organization. The Americans refused. Kissinger said something like that, very intelligent. Because he was there, the former Minister of Foreign Affairs of the United States, or Secretary of State, if you want it that way. And then the Americans promised tacitly, that was verbally that they will not extend NATO to the former countries of the Soviet Union, what they never respected. Et on entre dans quoi, les amis? Dans le temps qui crée des guerres illégales tous les jours. Une organisation qu'on a créée de façon parallèle, alors qu'on a les Nations Unies, on a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui devait régler les problèmes liés aux crises dans le monde ou des guerres dans le monde. Mais les gens ont créé leur organisation parallèle pour faire quoi avec les amis? Pour déranger d'autres pays, pour promouvoir l'insécurité, pour menacer des gens avec des armes. Mais ça ne pouvait pas être éternel. Parce que même avec la dislocation de l'Union soviétique, la dissolution du traité de Varsovie, les pays ont commencé à comprendre qu'il faut s'armer, il faut avoir des armes de poing pour se défendre contre ces gens qui comprennent que le langage de la brutalité, le langage de la guerre, you know, violence begets violence. And a violent person, if he sees another violent person, he passes his way. Because he knows that if he dares, there will be égalité of violence. Friends, il y a un journaliste belge qui de façon magistrale s'appelle Michel Collomb. Fait un travail depuis la nuit du temps. Il est traité toujours de complotiste. Vous savez, dans ce monde des requins, dans ce monde où une minorité veut s'enrichir, à chaque fois que vous dites ce que vous pensez, à chaque fois que vous présentez les faits en tant que journaliste, reporter, qu'est-ce que les autres disent? C'est un complotiste. C'est quelqu'un qui est payé par XY. Alors que vous n'avez jamais rencontré ces gens-là. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme ça. Mais on vous met ça dans votre tête. Oh, c'est ça, c'est comme ça qu'ils procèdent, c'est comme ça qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Leur seul argument, c'est de vous accuser d'être complotiste, d'être acheté. Parce que vous n'adhérez pas à leur mensonge bien organisé. Mais il n'y a pas un mensonge qu'on ne peut pas déconstruire. Pour un moment, ça marche. Mais pour toujours, jamais. Parce que le mensonge, vraiment, on se démerde pour mentir, hein, les amis. Et si vous n'êtes pas solide, vous n'allez pas répéter les mensonges. C'est pour ça que les médias mensonges, qui parlent de l'Ukraine, par exemple, se dédient tout le temps sans toute façon se rendre compte. Ils disent quelque chose aujourd'hui, ils disent le contraire demain. Ils ne se rendent pas compte que dans l'autre émission, c'est ce qu'ils avaient dit. Et quand on ressort des archives, il devient ridicule. Chers frères, chers amis africains, camarades, combattants de la liberté, combattants pour le développement économique et politique de l'Afrique, je vous suggère donc de regarder cet élément de ce journaliste qui exerce en Occident, qui parlait de l'OTAN avec les faits à l'appui. Il s'appelle Michel Collomb. Je vous suggère donc de regarder cet élément.
Michel Collomb, pour répondre à votre question sur la nature de l'OTAN, je pense qu'il faut juger une organisation à ses actes. Et donc, il faut voir si vraiment il réalise les objectifs de la démocratie qu'on nous annonce dans sa propagande. Et si on voit dans l'histoire, l'OTAN, c'est quand même le complice du régime fasciste au Portugal de Salazar, le complice du coup d'État en Grèce, des colonels turcs. Le fascisme comme excuse pour la guerre froide, ou la guerre froide comme excuse pour le fascisme, genre grec. On retrouve l'OTAN aux côtés des fascistes portugais, grecs, turcs, dans les réseaux gladiaux, préparant des coups d'État pour préserver la France, l'Italie d'un grand danger, etc. Donc ça, on est juste dans la propagande. La question à laquelle il faut répondre, c'est à quoi sert l'OTAN? Et la première chose, je pense, j'aimerais qu'on y revienne par rapport à ce qui a été dit aux États-Unis et la Chine, mais la première chose, c'est qu'il faut juger l'OTAN par rapport à ses actes. Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Les médias insistent toujours, lorsqu'une guerre est en préparation ou elle a lieu, sur ce pays-là, à ce moment-là, on le présente d'une certaine manière, diabolisé, et on ne raconte jamais ce qui se passe après la guerre, quand l'OTAN a gagné. Et c'est ça qu'il faut regarder. En Yougoslavie, c'est une catastrophe, on a semé la haine partout, les médicaments se vendent par plaquettes sur le trottoir, on a fait alliance avec la mafia, le Kosovo est devenu la plaque tournante de tous les trafics. En Irak, où c'est pas une OTAN officiellement, mais enfin bon, c'est la même chose, on a le pays est ramené à l'âge de la pierre, il n'y a pas d'énergie, il n'y a même pas d'essence pour les Irakiens, on assassine les scientifiques en masse. En Afghanistan, contrairement à la version anti-musulmane qui nous a été présentée, c'est une catastrophe, quoi. Karzai, l'employé du local, de la multinationale US, règne sur quelques kilomètres carrés. Il a fait alliance avec des seigneurs de la drogue et le trafic de la drogue a explosé en Afghanistan à cause de la CIA et grâce à la CIA. Et en Afghanistan, on allait soi-disant libérer les femmes afghanes. Je m'excuse, Karzai a fait passer une loi qui fait qu'on peut marier une petite fille à 9 ans et que le viol conjugal est légitimé. Donc, où est le progrès? Il faudrait quand même qu'on sache de quoi. Et en Libye, c'est la mafia, on voit ce qui se passe, il y a une loi qui vient d'être prise, comme quoi quelqu'un qui disait qu'avant c'était mieux, il va en prison à perpétuité. Donc, l'OTAN pour la démocratie, c'est la régulade. Et la vraie question que j'espère qu'on pourra poser ce soir, c'est à quoi sert vraiment l'OTAN? Quelles sont ses véritables objectifs? Une question que M. Dolles et les responsables des États-Unis ont reconnu que tout ce qui racontait et qui terrorisait mes parents, moi je me souviens dans les années 50, quand on parlait de la Hongrie ou d'autres, on allait vite au supermarché et on faisait des provisions de farine, de chocolat et de sucre. Et on a terrorisé la population européenne, les Russes vont vous attaquer, mais lisez simplement les déclarations de M. Dulles et des responsables des États-Unis, ils ont bien dit ils savaient qu'il n'y avait aucun danger, mais que c'était nécessaire pour des raisons stratégiques pour implanter l'OTAN comme moyen de domination. Et beaucoup de ces guerres ont évidemment pour effet collatéral ou peut-être pour cause première la nécessité d'obtenir des contrats de reconstruction pour des économies qui saturent chez elles. Voilà. Ça me semble tout à fait évident, puisque dans nombre de ces conflits, la destruction des infrastructures civiles passe avant tout le reste. En ex-Yougoslavie, en Serbie, le cas est flagrant, on a détruit 9 blindés et pratiquement toutes les infrastructures civiles. 9 blindés. Michel Collomb, j'ai été accusé d'angélisme bêtifiant et autres gentillesse. Je voudrais répondre qu'à mon avis, ce qui est bêtifiant, c'est quand on nous raconte une version cinéma de propagande de l'OTAN, ou qu'on nous fait croire que l'OTAN, ça dépend du caractère de Bush ou d'Obama ou de Nixon, alors que ce sont des employés, et que les choses sont à un niveau beaucoup plus profond. Et Frédéric Tadi, je voudrais revenir à la question que vous avez posée au début, en disant l'OTAN, finalement, c'est des démocrates ou c'est des salauds. Vous avez été beaucoup plus poli. Mais justement, le problème, c'est que, à mon avis, vous êtes plutôt quelqu'un de bien et beaucoup trop poli. Et je voudrais vous inviter, et un peu tout le monde, en fait, à se mettre dans la place du salaud. Je veux dire que si on comprend l'OTAN, qui est un instrument de quelque chose, il faut se mettre à la place des salauds qui gèrent quelque chose. Et je suis d'accord sur un point, c'est que la guerre est au fond la continuation de l'économie. Et que pour comprendre à quoi sert l'OTAN, il faut comprendre dans quelle situation économique on est maintenant. Et donc, je crois qu'il faut faire le lien avec tous les mouvements sociaux qui se passent en Europe, en Grèce, en France, etc. Toute l'inquiétude au quotidien des gens, parce qu'au fond, c'est le même problème. À savoir que quand vous êtes un bon salaud et que vous gérez l'économie, quand vous faites partie du 1%, c'est encore moins, mais enfin bon, on va pas chipoter, qui décide sur le sort de l'économie et des richesses, quelle est votre stratégie efficace? C'est de faire travailler les gens le moins cher possible, en les mettant en concurrence, en comprimant les salaires. Ça peut se faire en faisant travailler les vieux plus longtemps, ça peut se faire en important des immigrés en voyant qu'il n'est pas de droit, ça peut se faire en plongeant les jeunes dans la précarité. Bref, on va se retrouver devant, d'un côté, des bénéfices des multinationales qui ont explosé, et de l'autre côté, la majorité de la population qui ne sait pas de quoi demain sera fait et si leurs enfants auront un emploi et un avenir. Et ça, c'est le fin du fin du système dans lequel on vit. Avec le problème, c'est que quand tous ces gens, ils ont fait ça, qu'ils ont bien appauvri ceux qui travaillent pour eux, à qui ils vont vendre? C'est ça quand même l'origine fondamentale de la crise. À qui ils vont vendre? Alors, on s'en sort dans le système qui nous gouverne, dans l'élite qui nous dirige, qui n'a pas été élue.
On s'en sort en disant, bon, on va exporter les capitaux, on va les mettre les capitaux dans le sud, ça rapporte, et ça permet effectivement de piller les matières premières et de laisser les populations dans la pauvreté. Ça permet de contrôler la main-d'œuvre et de faire travailler les gens aussi pour des bénéfices. Ça permet de contrôler les zones stratégiques, etc. Et donc, on se retrouve avec des multinationales du Nord de plus en plus riches et des pays du Sud de plus en plus pauvres. Et le point où ça mène à la guerre, c'est qu'évidemment, ça provoque des résistances. Des résistances des populations qu'il s'agit de briser. Donc, toutes les guerres de l'OTAN, je l'insiste, sont des guerres économiques, des guerres de pillage. Et ensuite, ça provoque des résistances aussi des rivaux. Parce qu'on a eu raison de dire que l'OTAN, c'est l'instrument des États-Unis qui, effectivement, essaye de faire payer par les Européens et les autres les guerres qui leur permettront à eux, États-Unis, de dominer le reste du monde, y compris d'écraser les Européens et tout le monde. Et ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, La stratégie du chaos dont vous avez parlé, c'est d'éclairer la dimension des États-Unis maintenant, qui est effectivement une stratégie globale pour dominer le monde, pour faire en sorte que l'Afrique, l'Amérique latine, ça c'est plus difficile, et l'Asie, le reste soumise. Et effectivement, le problème des États-Unis maintenant, c'est que c'est une puissance économiquement et politiquement en déclin. Donc militairement, effectivement, ils n'ont plus les moyens de gagner cette guerre en Irak et en Afghanistan. Et comment ils s'en sortent alors? Ils s'en sortent par la stratégie du chaos. Et il faut bien voir que l'ennemi fondamental de cette guerre globale des États-Unis, c'est la Chine. La Chine qui est la puissance montante, la Chine qui le résiste, la Chine qui développe un marché, qui a sorti 400 millions de gens de la pauvreté, et qui surtout devient un partenaire pour l'Afrique, millions de gens pour l'Amérique latine. Et vous avez maintenant, le monde a complètement changé. Le monde, c'est un commerce sud-sud. Et la grande bataille, elle se joue effectivement dans l'océan Indien. On a raison de dire que les États-Unis déplacent toutes leurs forces là-bas, mais pourquoi? C'est contre la Chine. L'Afghanistan, c'est pour encercler la Chine. Et quand vous regardez l'océan Indien, c'est justement, on parle en général des pays et on parle pas des océans. J'ai envie, parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Et dernier mot. Quand vous regardez toutes les explosions de l'océan Indien, les États-Unis essaient de briser cette ligne sud-sud entre l'Afrique et la Chine pour isoler la Chine. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je veux dire, maintenant, il paraît que vous êtes redevenu un pays normal avec un président normal. La seule conclusion que des gens normaux peuvent tenir, c'est qu'il faut dissoudre l'OTAN, sortir de l'OTAN, parce que c'est pas des démocrates, c'est une association criminelle. Michel Collomb dit que l'OTAN, c'est une organisation criminelle. L'OTAN crée des guerres illégales pour piller des pays de leurs richesses. L'OTAN détruit des infrastructures en créant des guerres pour que les sociétés otaniennes viennent reconstruire ce pays. C'est exactement comme ça que ces structures fonctionnent. L'OTAN a été créée pour cela. Effrayer le monde entier, créer des guerres, bombarder des gens. Et ils peuvent donner les ordres aux chefs d'État africains de se déplacer en Afrique de l'Est. Écoutez très bien ça. Donc l'OTAN peut appeler les chefs d'État africains, n'allez pas en Libye. Si vous allez, on va bombarder votre avion. Et les chefs d'État retournent. Parce que personne ne veut se sacrifier. Voilà donc l'OTAN, présenté par un journaliste européen et qui insiste que des Européens devraient sortir de l'OTAN. Il est temps d'avoir l'indépendance, de signer les partenariats gagnant-gagnant avec des pays. On a parlé de l'Allemagne, on a parlé, mais regardez l'Italie, comment ça fonctionne aujourd'hui. Il n'y a pas de colonie ou ex-colonie. L'Espagne, l'Allemagne. Pourquoi la France s'entête à avoir des territoires outre-mer, même en Afrique, en Calédonie, la Nouvelle-Calédonie? Il y a Mayotte qui appartient à la France, alors que Mayotte est comorien. Ça a quel sens? Parce qu'il compte sur cette parapluie de l'OTAN qui va protéger cette Mayotte si les Africains décident de récupérer ça par force. Mais seulement les amis, centrons de venir. Le paradigme change. Les choses évoluent. Je veux dire, les choses évoluent. Les choses sont en train d'évoluer normalement, sûrement, mais calmement. This world is never going to be the same. It is never going to be the same. NATO need to be dissolved. Countries need to have peace within themselves. If the United Nations is still an organization we can count on, there should be a reform of the United Nations, and the United Nations should guarantee peace in the world, not NATO. No, not NATO. No. If it insists, the other countries of BRICS should create a parallel organization to protect themselves, to say clearly that if a country of BRICS, any country of BRICS is attacked, it means the BRICS have been attacked. I think that way it will send a powerful message. It will send a powerful message to those countries that think they can use arms to impose their ideas on others. They can use arms to impose tyranny on others. A word to a wise is sufficient. And for Pigeon, they talk say, a way to a wise now, Sophie is sense. Because Sophie and Sophia, now the love for Philia.
Philia is love. Sophia is wisdom. Thank you, dear friends, for watching. Bye-bye. Next time.